Mais j'ai mis le nombre, ça va être par nombre. Bonjour tout le monde. C'est professeur Mansouri. Heureuse de vous retrouver. S'il vous plaît, faites-moi un hello ou un bonjour pour savoir que vous m'écoutez. Et donc, j'attends votre. S'il vous plaît, les troisième année médecine. Si vous m'entendez, vous m'envoyez des petits messages de hello, bonjour, salam, c'est comme vous voulez. Comme ça, on commence. Alors, écrit, par écrit, hein, c'est ça, par écrit. Alors, je préfère vos mains qui ne parlent pas, mais ils écrivent leurs questions, parce qu'après, j'aurai besoin de vos questions. D'accord? Très bien. Hello, bonjour, bonjour, bonjour. Alors, Madame Diapo Mishwab. Ah bon? Donc, je fais un autre. D'accord. Ça ne leur plaît pas, les diapos comme ça. Comment on fait? On fait comme ça en grand. Bonjour, oui, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver. Alors, je vais faire un affichage, une seule page. Alors, dites-moi, le son il est faible, je vais avancer, il n'y a pas de souci, vous savez très bien que j'ai une petite voix. Dites-moi si vous voyez bien, si vous entendez bien, s'il vous plaît. Allez. J'attends votre. Oui. D'accord. Vous m'entendez? Oui, j'ai fait plus petit et vos camarades m'ont dit que ce n'est pas clair. C'est beaucoup trop grand, moi, je trouve, moi aussi. On va réduire, sinon. Voilà. On va essayer de réduire. Comme ça? Allez, merci. Merci beaucoup. Regardez. J'ai réduit au 100%. Comme ça, vous allez suivre. D'accord? Oui, c'est clair. D'accord. Allez, on commence parce que quand même, on va voir aujourd'hui les dermatophytoses et les dermatophytes. Et tout à l'heure, on va enchaîner, s'il vous plaît, avec, on va enchaîner, s'il vous plaît, avec les parasitoses et les mycoses opportunistes. D'accord? Voilà. Alors, pour les dermatophytes et les dermatophytoses, donc, bien sûr, vous avez eu déjà le cours. Et par la suite, s'il vous plaît, à chaque fois, j'attendrai vos questions. Vous pouvez m'écrire des questions avec abréviation. Comme ça, je peux répondre au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Donc, les dermatophytoses en elles-mêmes ont été également appelées dermatophyties ou bien tinea. Donc, on est toujours dans le chapitre des mycoses. D'accord? Vous avez eu donc la définition, qui sont responsables, s'il vous plaît, des lésions superficielles, de l'épiderme et des fanères, d'accord? Et pour les dermatophytes, donc ce sont des champignons filamenteux et ce qu'on appelle kératine.